Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail TV. Comme vous le savez, c'est un magazine qui prend le travail, l'excellence, surtout les modèles de développement pour notre cher et beau pays. Nous contribuons à notre manière à l'éclosion d'un Congo nouveau, un Congo sans tribalisme, un Congo sans favoritisme, un Congo sans népotisme. Bandeko, lelo toye kolobela likambo oyo ya cellule ya communication ya chef de l'État. On en parle, les gens en parlent, qu'il y a un problème au niveau de la communication du chef de l'État. Depuis que le chef de l'État a pris les rênes de notre pays, la cellule de communication du chef de l'État n'a pas donné l'état dans lequel le président de la République a trouvé ce pays. Ce qui donne de la voix même à ceux qui devraient se taire. Ils croient avoir bien géré le pays en l'absence des rapports, en l'absence des documentaires, en l'absence de la publication de l'état dans lequel le président de la République a trouvé ce pays. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Les cellules de la communication du président de la République, et aussi celles de l'UDPS et de l'UNC, je ne sais pas si c'est à dessein qu'ils gardent silence par rapport à toutes ces choses-là. Et nous voyons aujourd'hui les gens qui ont mis ces lambeaux, ce pays plutôt, je voulais dire, en lambeaux, sortir dans des médias, faire des commentaires sur la manière dont eux avaient géré le pays. Et ils vont plus loin à qualifier le pouvoir actuel d'incompétence. Pourquoi? Parce que cellule ya communication et Sali Moussala Ndenge Elongo Banité. C'est vraiment notre droit de le dire. Nous le constatons, nous le vivons et nous dénonçons. Nous ne voulons pas qu'on enlève Pierre pour mettre Paul à la place. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de se dire. Il faut une remise en question. Il faut un recyclage. Il faut des réunions, des stratégies pour changer des stratégies dans la communication des œuvres du chef de l'État. Nous qui vivons à l'étranger, nous entendons les échos du travail du président de la République. Et ces échos sont inaudibles par ceux qui sont sur le terrain là-bas. Est-ce par mauvaise foi? Est-ce par le manque réel des communications? Je pense que c'est par mauvaise foi et par réel manque de communication des communicateurs du chef de l'État. Bandeko, ce ne sont pas des accusations fortuites. Ça ne nous fait pas plaisir d'invectiver les communicateurs du chef de l'État. J'ai fait une observation. Vous pouvez la faire en même temps que moi. Ouvrez le site internet de la présidence. En travaux. Depuis plus d'une année, le site internet de la présidence est en travaux. Bandeko, c'est de l'insulte. Tolobaté. La primature est même mieux organisée en matière de communication que la présidence de la République. On doit se le dire. Et faites le même exercice, Bokende na internet. Primature rdc.cd, le site internet de la primature est fonctionnel. Vous pouvez y trouver tous les comptes rendus du gouvernement, ça est là. Toutes les activités du chef du gouvernement sont là. Les activités du premier ministre Ilunga sont là.
L'information en ce qui concerne la primature, aujourd'hui, ça est là. Tu peux même prendre ton téléphone, appeler, il y a quelqu'un qui va te prendre au téléphone et te répondre. À la primature de la République démocratique du Congo. Et faites le même exercice en ce qui concerne la présidence de la République. Donc, il y a des multiples stratégies, multiples stratagèmes mis en place pour mettre en échec le travail du président Félix Antoine Tshisekedi, qui jour et nuit se bat, pour un Congo nouveau. Mais si le président de la République est au four et au moulin, dit-on, il va se brûler les ailes. Le président a pris le pays dans un état de délabrement avancé. Il faut faire fonctionner nos cerveaux, nos têtes, pour faire refonctionner de nouveau ce pays-là. Les cellules de communication du président de la République, la communication du président de la République fait en tout cas défaut. Donc, prenez simplement les deux exemples dont je viens de vous citer tout à l'heure. Vous comprendrez que le problème est réel. Le problème est réel. Le service de communication du chef de l'État doit être remanié. Le service de communication de la présidence de la République doit être convoqué, auditionné par le président de la République parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde de communication. Et je vais même plus loin, Bandeko. J'ai parlé tout à l'heure de la primature. La primature a même des applications mobiles, des applications dédiées pour avoir accès aux informations de la primature de la République démocratique du Congo. Les services de communication du Premier ministre sont encore très mieux organisés. Est-ce parce qu'il avait été seul la latitude d'organiser son cabinet? Alors qu'à la présidence, il fallait faire une cohabitation, etc. Est-ce que c'est vraiment la raison? Je pense que non. Le président de la République, c'est une institution. Si son cabinet est désorganisé, je ne pense pas que ça sera une excuse parce que nous avons partagé certains postes avec l'UNC. Ça ne sera vraiment pas une excuse. Donc, je disais, la primature, donc, a une application mobile, chose inexistante à la présidence de la République. Concevoir une application mobile pour la présidence, est-ce que ça peut prendre une semaine? Ça ne peut pas prendre une semaine. Les ingénieurs sont là. Est-ce un manque de savoir? Est-ce une stratégie manifeste de faire échouer les chefs de l'État? En tout cas, moi, je n'ai que des questions. Raison pour laquelle j'en appelle au bon sens des conseillers du président de la République. Surtout les conseillers stratégiques du chef de l'État. Surtout tous ces hommes qui approche le président de la République, de lui demander de revoir la composition de la cellule de communication. Quand je dis de revoir, ce n'est pas pour qu'on enlève les gens, pour réorganiser le fonctionnement, pour donner des attributions aux uns et aux autres, pour moderniser le fonctionnement de ce cabinet. C'est l'objectif de ce message. Donc, les mêmes personnes peuvent rester, remoderniser leur travail. Pour avoir aujourd'hui plus d'informations de la présidence, nous devons aller sur
Ndekonabiso, Abraham Lokabwanga qui fait un travail remarquable. Il faut aller sur son site internet pour avoir les détails de ce que fait le chef de l'État. Alors que ça ne devrait pas être ainsi. Il y a des médias officiels, il y a la radio, il y a la télévision, où les actions du chef de l'État devraient être davantage vulgarisées. Pendeko, aujourd'hui, on en parle, parce que nous, nous avons la chance. À Kinshasa, il y a des médias. Et peut-être que je parie bien qu'au pays, là, on ne sait pas qu'il y a eu changement de régime. Peut-être qu'il va y éviter. Il y en a qui pensent encore, peut-être que Mobutu est encore là, parce que l'information ne circule pas. Nzelezate. Nzele à côté, Mboulela, Isate. Il y a aussi Nzele à communication. Tout le monde n'a pas accès à la radio. Tout le monde n'a pas accès à l'information. Aujourd'hui, pour gagner la guerre du développement de notre cher et beau pays, il faut gagner la guerre de la communication. Les politiques l'ont, tous les grands politiciens l'ont compris. Pourquoi au niveau de notre pays, pourquoi au niveau de la présidence, l'accent n'est pas mis sur cette question? Pour avoir les informations du chef de l'État, il faut aller fouiller dans les réseaux sociaux. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Bandeko, pour preuve, rien ne s'est fait parce que, au moins, chef de l'État, nous avons fêté en pompe, nous avons célébré en pompe le programme des 100 jours. Et après, parce qu'il n'y avait pas de communication, on ne savait même pas à quel niveau se situe le travail. Et aujourd'hui, on commence à arrêter les uns et les autres en débandade. C'est un désaveu du manque de vigilance au niveau du parti au pouvoir. Qui devrait contrôler ça pour vous? Il n'y a pas de cadeau en politique. Il y en a qui ouvrent le champagne dans leur maison, tout simplement parce qu'il n'y a pas vulgarisation des travaux du chef de l'État. La guerre contre Félix-Antoine Tshisekedi est beaucoup plus médiatique et cette guerre est gagnée par les ennemis de Félix-Antoine Tshisekedi. Encore une fois, Bandeko, j'exhorte encore ceux qui travaillent dans le service de communication du chef de l'État de redoubler de vigilance pour que ce que fait le chef de l'État soit véritablement visible. Et d'autre part, Mouté Mamabe est commis niveau moko na Congo tel que le lo oyo ata Félix Antoine Tshisekedi, quelqu'un le disait, à la mouisi maman na yo na liwa, au koti ka la kondimaye pété. Et c'est ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Parce que Mouté Mamabe, elle est qui? Je peux voir sous les campus de l'université de Kinshasa. J'ai vraiment secoué ma tête hier. Les étudiants de l'université de Kinshasa en train de chanter à la gloire de Joseph Kabila. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Mais ça ne m'étonne pas beaucoup. Ça montre le degré. Ça montre le degré du manque d'investissement dans notre éducation, que l'élite intellectuelle, la sommité de notre pays, se livre à des jeux. J'ai été étudiant, mais je ne vois pas comment l'étudiant était celui qui faisait une autocritique, une critique constructive dans le pays. Vous chantez pour Kabila pour avoir construit des nouveaux bâtiments sur les campus. Après 18 ans de gestion, vous chantez Kabila pour avoir arrangé l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin. Vous chantez Kabila pour avoir peint les auditoires. Vous chantez Kabila pour avoir
restauré les restaurants à l'université de Kinshasa, pour avoir construit des nouveaux homes, pour avoir électrifié les chambres d'université. Vous chantez Kabila, pourquoi? Est-ce que vous pouvez vraiment m'expliquer, même inbox, m'envoyer un courriel, m'expliquer pourquoi est-ce que vous chantez à la gloire de Kabila? Je vous avais dit dans une de nos émissions, Madeko, pour tuer un peuple, Kabila était malin. Il ne peut pas prendre les armes. Mais Kabila a tué. Quand Kabila a fermé l'école. Dans la Constitution, il était dit gratuité de la scolarité. Kabila a violé ça. Si Kabila aimait ce pays, il instaurerait la gratuité de la scolarité. Aujourd'hui, cette scolarité pouvait même atteindre l'université si ça avait été mis en œuvre depuis longtemps. Mais vous chantez Kabila. J'ai été complètement meurtri dans mon amour propre. J'ai été vraiment, j'étais déçu de ce groupe d'étudiants instrumentalisés qui se sont livrés à ces jeux. Donc, Bandeko, encore une fois, ressaisissons-nous, soyons véritablement des patriotes, aimons notre pays. Soutenons le président Félix-Antoine Tshisekedi parce que il a l'amour du Congolais et il a l'amour du Congo. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, envoyer vos commentaires, distribuer également nos vidéos. Merci et bye bye.